Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Sable live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Et assommer que ceux avant, rappelle-toi. Furieux de voir, mais... Ah, j'en doute pas. Maintenant, ma chaîne est un peu morte, mais ça arrive. C'est un peu mort grâce à moi aussi. J'ai plus la même détermination et la même fougue que j'avais à l'époque. Les choses dans la vie qui fait que t'es... Tu peux pas sourire pour rien. Donc je vais aller au poste des 7 sœurs. J'étais là au début, malheureusement, j'aurais dû vérifier dès le début. Bon, c'est la 9e fois qu'on joue à ce jeu. Sable, S-A-B-L-E, ouais, Sable, c'est beau. Il est sur Xbox Game Pass, je l'aime bien. Je pensais que c'était un jeu qui durait un peu moins longtemps, mais là, on verra bien ce que ça va donner. On vient de terminer une énigme. T'as le Xbox Game Pass, Kenshiro? Ah, ce qui se passe. Bon. Un mini bug, on dirait. Donc là, je dois suivre le point. Ce qu'on a, c'est un aérocycle, on peut le modifier, mais je l'ai pas encore modifié, j'ai un peu d'argent pour, mais je l'ai pas fait. Bon, j'arrive pas à monter. Ah bon, on va passer entre les montagnes ici, puis on va se diriger ensuite. À quel jeu tu joues, Kenshiro? Je ne repenserai jamais la game. Je ne reprendrai jamais le Game Pass, je suis contre. Contre ça, le Game Pass à la noix, car je suis. Peut-être nostalgique, mais je me. J'ai les vraies valeurs, les CD, les collections, et surtout les vraies valeurs. Je suis plus trop CD, il fait longtemps que j'achète plus de CD. Si t'aimes ça, c'est parfait. Donc là maintenant on doit se diriger vers le poste des 7 sœurs. On va avoir de l'information sur Léa. On est à deux postes déjà, c'est le troisième qu'on se dirige. Tu joues à quel jeu présentement Kenshiro? Ou quel jeu en... Il y en a plusieurs peut-être.
Le Xbox Game Pass nous permet quand même de découvrir des jeux qu'on n'achèterait pas normalement. Allez, monte. Ouch. Ami 4 en mode normal, est difficile, le cauchemar à la fin. Ouais, je l'ai le jeu, je l'ai jamais. J'ai joué un peu, je l'ai pas vraiment. Je l'ai pas complété. C'est rare que je commence des jeux, mais que je les complète pas, mais c'est. J'ai perdu l'intérêt. Sur du Dreamcast, oh, les vieilles consoles. La dernière console de Sega. Sorti en 99, le 9 septembre. Alors, quand on tourne la montagne. Tu vis où déjà, Kenshiro? Ah tiens, c'est là les 7 sœurs. On l'a trouvé. Poste des 7 sœurs. Bonjour Novice, que puis-je pour toi? J'ai toujours besoin d'aide si tu as le temps. Savez-vous où est Lia? Lia, ça fait une éternité que je ne l'ai pas vue plusieurs années en fait. À l'époque, je crois bien qu'elle suivait la voie de l'archer. Je peux faire autre chose pour toi? J'ai toujours besoin d'aide si tu as du temps. De quoi tu as besoin? Le berger, ça a l'air tout à exister. Il faudrait que tu ailles me chercher des crottes de scarabée des coupeurs. Pardon? Je me penche vers elle, sûr que j'ai mal entendu. Des crottes de scarabée des coupeurs? Tu sais comment ça fonctionne, une créature mange, après elle se produit des crottes. Je dirais pas que je sais ce que des crottes, j'essaie de faire pousser davantage de fleurs ce temps-ci. Et tu sais qu'on dit, si on veut de belles fleurs, il faut commencer vers de belles crottes. Car quand tu sais choses, des tas de gens, des scarabées, des coupeurs sont des animaux dociles.
Si tu veux récupérer leur crotte, il va falloir commencer par leur faire peur. Le mieux est de leur sauter sur le dos, mais il faut pour ça qu'ils soient calmes. Ce qui n'est pas évident, mais je suis sûr que tu trouveras la solution. Et ne t'inquiète pas, leur faire ça n'est pas cruel. Je n'en suis pas très sûr, je n'aimerais certainement pas que quelqu'un saute sur le dos, sur mon dos, pour me faire déféquer de peur. Ben, ça ne leur fait aucun mal, tu sais. Ils sont naturellement résistants. Il ne leur faudra pas longtemps pour oublier. On a tous connu ça, pas vrai? Bref, il m'en faudrait trois. Il y a une île Scarabée des Coupeurs sous le bastion de Scarab, sous sud-est. C'est là que j'irai voir à ta place. Je lui dis que je m'en occuperai et je m'en vais. Je suis pas pour le game, mais c'est simple. Si on continue plus de magasins de jeux vidéo, plus de fabricants de CD, donc chômage, si on bannit des ton compte, tu n'as plus rien du tout. Je suis à ce niveau-là, c'est plat. Tu perds les coordonnées de ton compte et tu ne peux pas revendre certains jeux. Et pour ceux qui disent jeux neufs, simplement, je vais sur les sites et je me bats pour enrayer la Game Pass et je vis enfin. T'as des défauts, hein, c'est pas ta faute, c'était français. J'ai trouvé l'IA, mais ça me dit rien. Au fil des postes, Afi oui, du poste de cette sœur m'a appris que l'IA cherche pas. Afi au poste de chaîne brûlée m'a dit que l'IA cherchait un endroit vaste et désolé. D'après elle, le Fabulous pourrait être parti pour les plaines de Sodarine. Ofu, le poste d'Osomoen m'a conseillé de me rendre au chanteur endormi, les baleines de pierre. La fille du poste de cette sœur m'a appris que Léon cherchait à suivre l'arche. Bon, je suppose. Bon, je suppose savoir moi, maintenant. Elle se dresse au sud-ouest du poste de chaîne brûlée, dans la partie nord-est de Terre Morte. Ouais, vue du pan. Je ferais bien d'essayer de retrouver Elisabeth au pan de la trahison, celui qui s'adresse au sud-ouest du poste de chaîne brûlée. Bon. Et la chaîne brûlée est où? J'espère que c'est pas ça, là. Ok, c'est là. Oh, je peux aller directement par la carte. Zut. Je savais même pas qu'on pouvait se télécharger, se téléporter comme ça. Bon. Au
au sud-ouest. Nord. Je répète-moi ça. Le chêne brûlé à partir du nord. Ok. Le pont de la trahison. Celui-ci se dresse au sud-ouest du poste du chêne brûlé, dans la partie nord-est des terres mortes. Donc, nord-est, c'est là. Au sud-ouest. Donc. Logiquement, par là. C'est peut-être ça qui est là-bas, on peut aller voir. J'appelle mon avion, je sais pas ce qu'il va venir. Ouais, je suis à l'esprit, il y a toujours du sens contraire de où je me dirige. Un des problèmes du jeu, l'avion est souvent pris tout ça. Ah, il est là. Oh, il est là, il s'est dépris. Hey, yes, sir! Là, ce serait pas le sud. Donc, nord, sud, est, ouest. Ça serait par là. On va aller voir c'est quoi là-bas. Repère des amis. Non, je suis augmenté là, moi. Là.
Oh, je t'ai presque rendu. Là, je vais l'avoir. Oh, je suis presque tombé dedans. Casse-toi. Empêcher de sursauter en apercevant les amis qui soutiennent les vestiges d'une ancienne tour en ruine. Il est vraiment énorme. Avant d'avoir le temps de me ressaisir, j'entends une voix étrange dans ma tête, presque gazouillée. Oh, bonjour, voyageuse, je ne crains rien, je t'en prie. Les amis géants tournent la tête vers moi et recoulent dans ma direction. C'est à moi que tu parles? Alors que je pose ces questions, je réalise que je fais plus pour rassurer qu'autre chose. En effet, c'est bien à toi que je parle, du moins. Si l'on peut appeler cela parler, tu es capable de percevoir de mes pensées, mais je t'assure que je suis aussi réel que toi. J'ai appris que tu transportais plusieurs de mes enfants, je sens les œufs gigoter dans ma sacoche comme s'ils réagissaient en attendant. On parle d'eux. Je me demande subitement comment ils étaient. J'étais réconforté par l'absurdité de la situation. Ton nom est ancien et intimement lié au désert. Je prononce mon prénom sans parler. Sable, quel nom splendide, j'aimerais bien en avoir un aussi beau. Juste la reine des amis. Tu peux m'appeler Reine Zami ou Zami Reine, comme tu préfères, j'incline poliment la tête. C'est un honneur de vous rencontrer, madame la reine. Elle semble étonnée que je lui réponde sur un ton aussi formel. Oh là là, mais tu es une petite humaine particulièrement bien éduquée, dis-moi. C'est vraiment une chance que tu sois là. Penses-tu être en mesure de nous aider? Nos œufs sont éparpillés dans tout le désert. Il faut absolument les planter dans un endroit sûr. Apporte-les-moi ici, petit, je te ferai quelque chose en retour. Sans la moindre hésitation, je lui réponds par l'affirmatif. Tu es une petite limace très gentille, tu le sais, n'est-ce pas? Je crois que tu vas me plaire, ça. Pour commencer, apporte-moi 5 œufs. Eh bien, tu n'as pas ménagé les efforts, dis donc. Notre temps des nôtres ont déjà été réunis grâce à toi. Excellent travail, jeune. La reine recule dans la direction, tandis que sa voix douce résonne dans ma tête. Oh, quelle chance que notre sort te préoccupe. Je ne peux m'empêcher de sourire en recevant ce compliment. Il est vraiment rare de croiser des gens comme toi de nos jours. L'arme des amis. Écoute-moi, me voilà tout ému. Mais c'est une bonne nouvelle pour toi, car ces larmes des amis sont très puissantes. Mais je te demande de ne pas le répéter, s'il te plaît. Je lâche la tête d'un air solennel. Ces larmes semblent être un merveilleux cadeau. Je me sens soudainement plus fort, plus résistant. Maintenant, il faudrait que tu m'apportes 15 œufs. Salut, reine des amis. La reine me demande si j'ai les œufs dont elle a besoin. Je vais remettre les œufs, que c'était ma bateau de revenir nous voir, je ne sais. Tu nous as aidé à devenir une jolie petite communauté. Sa voix mentale me rafraîchit comme si je mettais une serviette mouillée sur la nuque. Tous les petits que tu m'as ramenés à la maison sont tous de joie de faire partie de la famille.
leur épargné la vie errant et la solitude. Ils sont encore très jeunes, mais crois-moi, ils se sont déjà extrêmement reconnaissants. Je sens le pouvoir des larmes de la reine qui enfle en moi alors que mes yeux aussi sont buts sous le coup d'émotion. Cette fois, je vais avoir besoin que tu me rapportes 20 œufs. Moi, je sors d'ici, moi, là. Rien. Oui, ouais. Prend des jours avant de sortir de là.
Oh oui. Une fois, je me suis tourné, là.
C'est là, faut jouer. Du cartographe. Et voilà. Et la cartographe me salue d'une voix lente, comme si je n'étais pas notamment sûr de sa joie là. Hein? Oh salut. Tu viens de loin, n'est-ce pas, novice? Sa voix tremble quelque peu. Bienvenue dans la mer noire d'Oka. Je lui demande s'il va bien, s'il va. Je vais bien, je vais super bien même. Je vais bien, je vais super bien. Avec plaisir, tiens, je donne un œil à mes marchandises. Et la carte firme. Écoutez, que je vois dans les environs, son voix, je considère que je devrais déjà savoir que. Elle me dit, bien sûr,
J'ai besoin de trouver le refuge du poste des sept sœurs. En revanche, tu m'étonnerais que tu n'y trouves la moindre sœur. Les sept ne comptent même pas. Regarde pensant, oh, la grotte du Luciole, aux endroits merveilleux. Tant qu'à être là, essaie de trouver le temps d'y aller. Tu devrais y adhérer, tu verras. Et le plateau des cristals, quelque chose de spécial, lui aussi. Il n'a pas réussi à monter mon dirigeable jusqu'à là-haut. C'est de la foudre et lui ne sont pas bons ménages, tu vois, bienvenue. Dans les autres régions proches, c'est toujours une bonne idée de penser à s'orienter. Tu trouveras Ruggenhull au nord et Dunrose à l'est, par-delà des terres mortes.
Tu as fait des sacrés bouts de chemin, dis donc, les voyageurs sont plutôt rares dans le coin. Que faites-vous là? Je récolte juste des fientes d'oiseaux. On obtient grâce à ces tours. Tu as fait un sacré bout de chemin, dis donc, les voyageurs sont plutôt... Vous vivez ici seulement pendant une partie de l'année, le reste du temps, les vents sont trop violents et c'est difficile de rester ici. On s'en profite pour aller vendre ce qu'on peut dans les régions plus clémentes. J'adore vivre ici quand le vent ne souffle pas trop fort et il n'y a rien de plus grisant que de naviguer entre ces pitons rocheux. Le soleil, ce sont les crottes d'oiseaux, mais au moins tu rapportes alors. Ça fait un... Ah, salut petit. Est-ce que je peux faire quelque chose pour ça? J'aimerais bien faire du truc. Hétéroglyphe. Peut-être aussi qui fait de bois rouge, terre mort. Si jamais tu croises Umi, passe-lui bonjour, tu veux que c'est toujours un plaisir de voir quelqu'un ici. Et cet endroit, c'est une vieille ville. Unicaric, qui l'a trouvé il y a quelques années, et depuis on essaie de remettre en état, ça marche super cool, pas vrai? On a commencé par la tour d'oiseaux, et après, j'ai dû passer pas mal de temps à comprendre comment récupérer et utiliser les vieux, ces os immenses qu'on trouve dans le lit. Qu'est-ce qui nous permet de naviguer entre les rochers en passant d'un os à l'autre? Si un héroclite, j'ai des pièces intéressantes à te vendre. Jamais tu croises un Yumi, passe-lui bonjour, tu veux, c'est toujours un plaisir.
Salut, je crie de Stanford, me fait bondir de surprise, mais faisant vol de face pour voir qui est là et je distingue que les ténèbres lèvent la tête. Je remarque enfin une silhouette dans l'ombre qui me fait un grand signe du bras. C'est un épineux impressionnant, pas vrai? Tu es jalouse? Jalouse de quoi? Moi, bien sûr, tu fais que je sois assez leste pour monter jusqu'ici. Je te parie que du menu frétin comme toi n'est pas capable de monter jusqu'ici. Je trouve assez déroutant de me faire agresser de la sorte par quelqu'un que je connais pas. Et pourtant, je ressens une certaine exaltation quand elle me lance le défi. Sable, minuscule sable, un grain de sable ballotté par devant, comme son nom l'indique, elle lève les yeux vers la silhouette en attendant de glisser et de faire accepter. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu. Table live. La chaîne du caribou canadien. Oh yeah!